Salut à tous, c'est un détail, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit jeu indépendant qui s'appelle Spirited Thief. En gros, on va être un voleur qui va devoir s'infiltrer dans différents endroits. Enfin, ça va être un peu compliqué, mais on va découvrir tout ça ensemble. Je ne connais pas du tout le jeu et je me suis dit que le lancer comme ça avec vous pouvait être une bonne solution pour découvrir. Alors, je vois qu'il y a donc maintenant plusieurs niveaux de difficulté. Il y a le mode novice, vétéran et expert. Je pense qu'on va lancer le mode vétéran qui équivaut, je pense, au mode normal. Donc, allons-y, let's go. Alors, ton personnage peut faire deux mouvements par tour, d'accord? Avant que ce soit le tour des gardes, ok, je le vois. Ton premier mouvement est bleu et le deuxième est jaune. Ok, je vois le délire. Donc là maintenant, c'est le tour des... Je vois le délire. On va rester caché ici pour débuter. Un garde. Il y a pas mal de couvertures. En gros, là, ils m'expliquent qu'il y a plusieurs choses qui bouchent la couverture. Donc on va essayer, on va y aller tranquillou comme ça. Hop, donc là on reste caché. Donc tout pendant qu'on est caché, d'après ce que j'ai cru comprendre pour le moment, tout pendant qu'on reste caché, le gars ne peut pas nous voir. Donc ça c'est plutôt cool. Il est bourré, donc concrètement on pourrait par exemple s'y approcher tout doucement. La porte est bloquée, le garde a la clé sur lui, donc on pourrait lui voler la clé. Par contre comme il est à moitié pété, il va falloir qu'on fasse gaffe. Donc là on va lui voler la clé. Ok, je vois le délire. Et on peut maintenant s'en aller. C'est génial. Donc en fait, il y a vraiment un système où les gardes ont des états de santé, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, je peux le stun. Donc je peux le stun. Ok, je vois le délire. Donc là, je l'ai mis KO. Mais pour combien de tours, par contre? Bon, je sais pas pour combien de tours, par contre, il est KO. Donc on va essayer d'avancer rapidement. Alors là, cette fois-ci, le garde bouge. Ah, on peut prévoir les mouvements, d'accord, avec les flèches. Très bien, donc là, on joue vraiment le rôle de voleur. J'irai plutôt au point, puisqu'on est capable de prévoir les mouvements. C'est qu'on se débrouille plutôt bien. Hein. Enfin, c'est caché ici. Et je vais attendre mon tour. On va se déplacer là. Même ici. Oh merde, c'est son tour ennemi. Oh oh, j'ai fait une bêtise, là. Je crois que j'ai fait une grave bêtise. On reste caché ici. On va se cacher même là, ouais. Là, je crois que j'ai fait un peu une bêtise. Donc là, il me cherche. On va rester caché encore, hein. Je crois que j'ai fait une bêtise. Ok, bon, on va pouvoir déjà se rapprocher un peu. Là, le gars m'a déjà oublié. Ce qui me sauve, c'est qu'il est un peu rebou. Parce que s'il était sobre, ça aurait été une autre paire de manches. Ok. Est-ce que je peux l'assommer? Si je viens là, il va me voir. Je vais attendre encore un tour. On va venir ici et je vais l'assommer. Bam! On n'en parle plus. Donc là, il faut que je récupère des gold. Ok, bah je vais m'approcher. Fin de tour pour moi. Je récupère les... Oh merde, 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 merde. D'accord, il m'a tué. Enfin, rewind. D'accord, donc en gros, faut qu'on intéresse à se dépêcher très vite, hein, pour être honnête. Ah, ça prend... Ah, il y a un cooldown. Merde. On va rester ici. Hein. Là, il est pas très content, le garde. Hein. Forcément, j'ai juste de l'assommer assez sévère. On va rester ici. Tourne-toi. Là, faut qu'on se barre. On a intérêt à se tailler. Ah merde, c'est bon, il y a encore une autre porte verrouillée, mais j'ai déjà la clé qui correspond, le fait qu'on l'ait volée avant, c'est le même format de clé on va dire. Ok, donc ça c'est cool. Par où je dois aller, je dois descendre? Non, je pense qu'il faut que je descende, hein. Allons-y. Ouh, il y a de la thunasse. Alors je sais pas du tout encore à quoi sert l'argent, et ça j'avoue que je précierai... Ça explique pourquoi il y a autant de gardes bourrés, quoi, il y a plein d'alcool, je vais pas m'en plaindre. Ok, bah, il n'y a pas quelque chose dans le coin, là? Si. Oui, d'accord, je vois des empreintes. Donc, à mon avis, les gardes doivent pas être très très loin de cette histoire. Ok, donc là, on est bien caché. Je vois le délai. On a bien fait de rester caché ici. Je vais me mettre ici, tranquillement. Et toi? Bam! Je t'assomme. Comme ça, on n'en parle plus. Je porte voler ta thune. Récupérer de l'argent, là. Et revenir par où? Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, il y a juste une fenêtre. Enfin, je descends encore un peu. Je vais rester caché, là, dans ce cas, hein. Ok, et là, on va se barrer très vite. Il y a une porte en bas. Il y a une autre porte, on va aller à droite. Ah, il y a 20 panneaux, j'ai pas vu. Les dortoirs, d'accord. Il y a rien dans les dortoirs à voler. Si, non. Il y a rien dans le coin. Là, je crois que c'est un piège, donc on va pas y aller. Je vais venir ici pour me rapprocher tranquillement. Il y a un garde endormi. Ok, bon, on va éviter de le réveiller. On va attendre que le temps passe. On est vraiment un voleur, hein, on va pas se mentir.
prendre la thune. Je vais t'assommer. Bam! On n'en parle plus. J'ai assommé par pur plaisir, mais en vrai, je sais pas où il est. Enfin, je sais pas où je dois aller, en vrai. D'accord, bon, on va rester là, du coup, on va rester planqué ici, en espérant qu'on fasse pas trop de bruit. Ok, donc là, j'ai fait une bêtise, clairement. J'ai fait une bêtise, je peux pas y aller parce qu'il y a des pics. Venons-en ici. Donc là, il va aller voir ici, parce que forcément, elle a vu quelque chose. On va essayer de se cacher ici. Ok, donc là, il va se tourner. Oh merde, il m'a vu. Clairement, il m'a vu. Bah, rewind, hein, je crois que j'ai perdu, rewind. Hein. J'ai perdu. Bam! Ah, c'est pas évident! C'est pas évident, évident! Ok, donc là, on a fait une bêtise. On est carrément au courant. On va rester ici, planqué. Là, le gars ne nous voit plus. Ok. J'ai pas encore mon... On va attendre le cooldown. Encore un tour. Voilà. Là, on est plus que bien, j'ai envie de te dire. Par contre, j'ai pas la clé, moi. J'aurais jamais dû faire ça. Tant pis. Viens ici. Tu viens là. Là. C'est ça, mec, qu'il faut que je m'ouvre. Boum, là ça ouvre la porte, ok. Toi, je t'assomme. Bam. Je récupère la tunasse et je m'en vais. Ok, bah on s'en sort grave bien pour l'instant. J'ai l'impression qu'on est bon. J'ai un peu de chance, on va pas se mentir. On va venir là tranquillou, voilà. Ah, par contre, ils peuvent quand même me voir. Ça la fout un peu mal. S'ils peuvent quand même me voir, ça la fout... ouais, bon, c'est pas grave. On est assez loin. J'ai la fâcheuse impression qu'on s'en sort bien, finalement. Est-ce que j'ai la clé? Ah, ok, c'est bon. J'ai déjà la clé, c'est cool. Ça, par contre, je ne l'ai pas. Ok, bah, avançons, tranquillou. Le jeu est vraiment intéressant, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, d'accord. Il y a des portes renforcées. D'accord, donc ici, c'est des portes renforcées. Je peux pas les ouvrir comme ça, quoi. Il faut un levier ou un moyen de pression pour pouvoir les ouvrir. Oui, bah, les leviers sont là, j'imagine. Ah, il faut une combinaison. Ça fait quoi? Ça a pas marché du tout. Ok, bah peut-être ça. Peut-être ça. Ah! Il y a un truc avec ça, j'ai pas capté. Eh bah écoutez, je vous propose une petite ellipse. Tant que je pige un peu ce que je vais devoir faire avec ça. Je vous dis à tout de suite. Bah écoutez, j'ai pas eu besoin de chercher longtemps pour être honnête. J'ai activé ça au hasard et ça m'a ouvert un truc. Donc autant en profiter, j'ai envie de vous dire. Ça a ouvert une porte, d'accord. Donc là, il faut que je m'occupe du reste, clairement. On doit avoir une combinaison pour ouvrir l'autre porte. Ok, c'est pas grave ça. Toujours pas. Il y a un truc que j'ai pas pigé, mais j'ai réussi à ouvrir une porte quand même, alors je suis pas mécontent. Ah, donc j'ai ouvert cette porte là maintenant, ok. S'il faudrait... Tu crois qu'il y aurait genre... À mon avis, il y a un autre levier activé pour ouvrir l'autre porte. Je pense que c'est ça en vrai. Enfin, je m'attarde dessus, je pense que le levier est en bas. S'il y a une autre porte en bas, c'est pour une bonne raison, je pense. Hein. Ok, bien notre levier en bas. Je vois le délire. On va attendre, parce que sinon il va m'arracher. On ouvre. On se cache ici. Voilà. Là, on va pouvoir s'approcher. L'assommer. Voler sa thune. Descendre. Ouvrir. Et on est bon. Par contre, ça a alerté un garde. Qui, lui, malheureusement, a l'air d'être un petit peu mieux armé, pour être honnête. Il y a encore pas tant que ça. Hein. Ah, fasse gaffe quand même. Encore un tour. Go, on avance, on avance, on avance sans être vu. Et on a fini le premier niveau. Et ok, bah franchement, c'est vraiment pas mal. Je regrette juste de ne pas retrouver tout loot. Par contre, à quoi sert l'argent? Est-ce que j'ai apprécié ce niveau? Franchement, ouais. Mais est-ce que... À quoi sert l'argent, par contre? Une barrière magique. Merde. Je ne savais pas qu'ils avaient engagé des sorciers. Voilà, cherchez un peu la traduction. Peut-être que je peux essayer... Ça ne marche pas, on est juste trop mauvais en termes de magie. Il y a un petit fantôme qui nous aide. Tu peux pas la forcer. Tu vas finir par te blesser. Je sais, je sais. Je vois pas ce que je peux faire avec cette barrière. On va zapper un peu l'histoire, je vais pas vous spoil. Il faut que je trouve un moyen de casser la barrière. Mais alors comment? Ah, on peut s'y téléporter. À distance, d'accord. Ah, donc maintenant il y a notre pote qui est là avec nous. Ah, donc on peut bouger notre pote, il peut se téléporter, c'est pas mal du tout, d'accord, ok. Ok, donc lui aurait par exemple la clé. Alors par contre, me téléporter ça va être chaud sans être vu quelque part. Par exemple, ici ça serait pas mal. Je peux pas voler. Par contre, tu me dis que ça serait entre les bannières. La clé triangle serait là, ok, je vois le délire.
peut vraiment se taper partout, quoi. Donc ça, ça met une nouvelle mécanique de jeu, c'est pas dégueu, hein, franchement. Ok, donc clairement, je peux pas me téléporter derrière les portes qui sont renforcées, parce que comme je peux pas... La porte renforcée aurait tendance un petit peu à briser mon esprit, c'est ça qu'il dit, en gros, j'arrive pas à le visionner dans ma tête, c'est ce qu'il dit. Ce qui fait que... un peu compliqué. Je vais tenter de me téléporter là. Eh merde, je suis vu. Ok, donc là, c'est un peu raté. Un peu raté, on va rewind. Je vais mettre là, tranquillement, je vais me téléporter ici, par exemple. Ça me paraît plus que bien. On va se téléporter ici. Ici. Ok, donc là, il faut que je trouve un moyen. Alors, ce que je vais vous proposer, comme d'habitude, c'est une petite ellipse. C'est temps de trouver le comment je vais faire, en fait, tout simplement. Ils disent que ça sera entre deux bannières, mais alors, je ne vois pas. Je vois pas où ce qui s'appelle les bannières. Je vais regarder ça et je vous dis à tout de suite pour la suite. Ok, il fallait que je puisse du coup voir à travers la fenêtre. Hein, la Windows qui est ici, ça permet de voir à travers. Donc maintenant, je peux me téléporter. Donc je pense que c'est une mécanique assez importante à prendre en compte. Et c'est là où se trouveraient les bannières du coup. C'est là où se trouvent les fameuses bannières. Je vois un peu le délire. Ok, je vois un peu comment ça joue maintenant. Alors il y a un peu de thune ici. Ah! En gros, je peux pas prendre quoi que ce soit. Ça, ça embête un peu. Par contre, je peux souffler dessus. Et là, ça éteint les barrières. D'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on sait. On sait ce que ça donne. Je vais me planquer ici, derrière le mur. Ok, donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc, il y a vraiment une mécanique de... ouais, c'est... je suis content. Franchement, c'est cool. Le jeu est sympa. J'aime bien le jeu. Je trouve que les mécaniques de gameplay sont vraiment, vraiment bonnes. Donc en gros, le Trine, c'est vraiment, donc le fantôme qui s'appelle Trine, c'est vraiment là pour, on va dire, éclairer, ça vient un peu d'éclaireur. Le voleur, lui, est plus dans l'action, quoi. Bon, ça, c'est plutôt, plutôt pas mal, on va pouvoir avancer tranquillou. J'ai déjà terminé le niveau, d'accord. Par contre, j'ai pas été au bout du truc parce que j'aurais pu choper de la thune et là, j'en ai pas. Ah, donc je pourrais en gros restart le level. Par contre, la grosse question que je me pose, c'est encore aujourd'hui à quoi sert l'argent. Parce que clairement... s'il y a un système d'amélioration, par exemple, je sais pas, de fait de réduire les cooldowns, le cooldown du fait de pouvoir assommer, etc., ça peut être sympa. Ou alors de, je sais pas, pouvoir faire des doubles clés de plus loin, récupérer les clés plus loin. Enfin, je pense qu'il y a des améliorations, c'est pas mal. J'aime bien le niveau. J'avoue que je le referai pas, par contre. Donc là, il y a une alarme. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est quoi ça? C'est un méchant? Ah, donc on peut acheter des choses. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour le fantôme, comme pour le voleur. Voilà, j'avoue, je capte pas trop ce que ça fait. Ici, ça nous permet de devenir invisible. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc c'est à ça que sert la thune. Bon, bah ça, c'est pas mal. Ok, bah c'est vraiment encore un bon plan, ça. Donc il y a vraiment deux phases. Tu commences par la phase de repérage avec le fantôme qui peut se téléporter un peu où il le souhaite. Et après, tu pars directement en mode voleur avec ton... Il y a beaucoup de gardes ici. Heureusement qu'ils dorment. Faut que je fasse gaffe à ne pas les réveiller. On peut les réveiller? D'accord, je savais pas. Est-ce que je peux voler? Je peux pas voler une clé avec ça, si. Attends, on va faire un autre tour. Vas-y, je termine mon tour. Je peux pas voler une clé, hein. Ouais, je peux pas voler de clé. C'est impossible. D'accord. On va quand même essayer de se rapprocher, si on jamais. Ouais, donc je peux vraiment pas. Ok, donc ça, c'est validé. Donc là, ce sera vraiment au voleur de jouer le jeu. Ici, on a une fenêtre en ce qui me permet de regarder. Ouh, il y a plein de choses de valeur. Ok, donc ça, c'est plutôt, plutôt bien. D'ailleurs, d'avoir de la thune, des gemmes, de la thune et des papiers confidentiels. D'accord, faudra qu'on fasse attention à ça. Eh merde, ça, par contre, c'était mauvais. Ouais, j'ai mal joué, là, par contre. C'était mal joué. On va revenir ici, c'est pas grave. On sait ce qu'il y a là, maintenant, dedans. C'est cool. Il va s'approcher. On passe notre tour. On va passer un autre tour. Là, c'est bon, il fait demi-tour, normalement. Je suis tranquille. On va pouvoir se téléporter un peu. Je vais me téléporter ici. Donc là, je peux pas, parce que j'ai pas de fenêtre, donc je peux pas voir ce qu'il y a derrière. Ok, donc ça, c'est validé. Ici. Il y a une autre barrière. Peut-être que je peux trouver un moyen de la casser. Ok, je vois le délire. Donc là, il faudrait que je trouve un moyen de la casser avec mon fantôme. Ouais, alors par contre là ça va être chaud parce qu'il y a tellement de monde que ça va être un peu dur. Ici j'en viens, je crois, non? Ouais, ici j'en viens. Là il y a une fenêtre, il y a le gars qui est là, donc lui je peux pas. Où est-ce que je vais pouvoir la casser? Ta 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 ta, c'est une bonne question ça.
En vrai, par là, faudrait que je... En fait, faudrait que je trouve... Ah, ben non, faut que je me rende ici. D'accord, faut que je me rende ici. Que je regarde par la fenêtre pour accéder à cette pièce. D'accord, je viens de comprendre. Parce que je suis là, tranquillou. On n'est pas vu, on n'est pas détecté. Tout va bien. Eh, c'est plutôt tactique en vrai, on se rend pas compte, mais le jeu est assez tactique. Bon, c'est un grand mot tactique, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant, je trouve. Et là, boum, on voit le pied. Ok, donc là, phase, en gros, phase d'exploration terminée. Là, ça me permet de voir tout ce que je dois faire. Maintenant, c'est mon tour. Ok, alors, je préfère quand même jouer le... Alors, c'est une alarme ici, donc si je viens ici, ça sonne. D'accord, ok, bon, on a intérêt à faire très très attention. Donc là, ça a alerté quelques gardes quand même, donc on a intérêt à faire gaffe. Alors, dis-moi, toi, t'as pas de thune à me filer, t'as rien à me donner. C'est pas intéressant de t'avoir dans le coin. Lui, il a de la thunasse, ça serait pas mal qu'on essaie de la récupérer. Alors, viens là, cache-toi là. Recache-toi là. On va pouvoir l'assommer, non? Je peux pas. Ah si, je peux. Je peux lui voler la clé et revenir. Ok, super. Donc j'ai pas besoin d'assommer. Là, je vais voler la clé rouge. Elle va me servir à aller ici, qui normalement devrait me permettre d'accéder à cette pièce-là. Ok, donc maintenant, il faudrait que je traverse sans me faire trop voir, si possible. Passe à un tour. Merde. Merde, genre... Ah oui, à chaque tour, je prends un niveau d'alerte en plus. Merde. Ça la fout mal, hein. Là, j'ai manqué de points d'action. Je vais manquer de points d'action. Ok. Oh, merde, ça... Du coup, ça a réveillé des gardes. Ah, merde, non, ça la fout mal. À l'aide! À l'aide, s'il vous plaît! On va se cacher ici, je pense. Voilà, le temps qu'il se retourne, on est bon. Il faut que j'aille par là. Direct. Super, il n'y a personne. Ce garde-là, je vais le boxer direct. Bam! Comme ça, on n'en parle plus. Oh, merde! Ok, toi, t'es caché. T'es caché, tu viens là. On va se cacher ici, pour pas qu'il puisse nous voir. Faudrait juste éviter que l'alarme sonne. Chaque tour que je passe ici augmente la vigilance des gardes. Ça la fout très très mal pour nous. Je pense qu'on y arrive quand même pas mal. Eh merde, ça a encore sonné. On va choper de la thune. J'ai pris de la thune assez... Là, ça pourrait avoir... Oui, ok, là, ça me permet de couper la barrière magique, ce qui serait pas dégueu. Toi, boum! Eh, je peux pas m'y rendre parce qu'il y a des pics. Merde, 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 merde. On va procéder comment? Oh, bah là, il va se retourner, je suis foutu. Retourne, te cacher là, voilà, parfait. Attends, un tour. Mon coup d'arme est toujours pas pris. Ouais. Allez, encore un. Encore un peu. Toi, tu viens là. Tu tapes dessus. Boum. Ça, c'est fait. Maintenant, tu actives. Ah merde, j'ai ouvert les coffres. Et ça fait quoi, ça? Ouais, j'ai ouvert les coffres, mais ça n'empêche que... Ouais, je peux déjà commencer à les piller en même temps, tu vas me dire. Oh non. Je suis foutu. Je suis foutu. Cache-toi là, cache-toi là, cache-toi là. Ok, je suis mort. Je suis décédé. Fraîchement décédé même. J'ai aucune autre solution que de m'en aller. Boum, je suis foutu. Ok. Mais je crois qu'on est... On est mort quand même, hein. Je crois qu'on est mort quand même. Sauf si je fais ça, peut-être. On va essayer ça comme ça. Et puis ça. Ouais, j'ai chaud, mais Je vais passer par là, tu vas me dire. Oh, s'il te plaît, ne te retourne pas, ne te retourne pas. Ok, c'est pas retourné. J'ai eu du bol. Je vais peut-être attendre. Il y a un autre garde qui est ici. Je vais attendre. Je vais l'assommer. Poum, on n'en parle plus. Oh merde, il m'a vu, il m'a vu. Mais attends, pourquoi je peux pas avancer? Ah bah oui, le cadavre bloque, le cadavre bloque là. Je peux pas passer par-dessus, sans déconner. Non, je devrais pouvoir passer par-dessus, je suis dégoûté. Bon bah, on va éviter de te tuer dans l'instant T du coup. Comme ça devrait peut-être être mieux. Vas-y. Et merde, ça la fout très très mal. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution en vrai de passer par là, pour être honnête, hein. Si on fait le tour de ce côté. Trop chaud, non? Voilà, c'était hard, hein, mais on va le... Vas-y, passe. Est-ce que je peux passer dans le coin? Juste là, s'il te plaît. Oh non! Coup de pas de bol, il arrive au même moment! Si
Sérieux, il arrive au même moment. J'écoute pas de bol, quoi. Bah là, je vais me faire défoncer, forcément. Non? Alors, tout pendant que je reste là, je suis furtif, on va dire. Ok, bon, on va essayer de se barrer. Je crois qu'il veut m'arrêter, en fait. Il veut pas forcément me tuer, il veut d'abord m'arrêter. On va venir ici. Ok, bah écoute, toi, je vais t'assommer. Poum. Je tentais de me planquer par là. S'il revient, je suis mort. Il va venir dans ce coin-là. Et si je passe ici, peut-être? Ah non, il va faire ça, ça. Ah bah, il m'a vu, là, de ouf. Ok, je te vole ta thune. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde totale. Je sais pas où aller. Si je viens là. Oh, ça va, c'est qu'il est complètement teubé. Oh, 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 je suis dans la merde. Reviens par là, reviens par là, reviens par là, reviens par là, reviens par là. C'est chaud, là. Je crois que je suis foutu, même. Je crois que je suis foutu. Il a chargé son tir. Prochain tir, je suis mort, c'est ça? Ouais, voilà, ok. Donc si je bouge pas, il va d'abord charger son tir pour essayer de me viser, mais là, c'est... Ah bah non, bah ils mettent un rewind ici, qu'est-ce que je fasse? Je suis forcément mort, là. Ah bah non, bah c'est mal foutu, un rewind. Bah ouais, non, mais... Ils mettent un rewind de là, là, bien sûr que je suis foutu. Ok, bah try again. Ouais. On va y arriver, je pense. Hein. Faut juste partir du principe où ça peut fonctionner. C'est accéléré. Là, faut qu'on aille plus vite. Faut qu'on aille plus vite. Parce qu'à chaque fois que le temps passe, chaque fois je m'en trouve emmerdé. Donc, on y va. Toi, je te vole les clés. Tac. Et me revoit la partie. Chaque tour qui passe, potentiellement, c'est un tour où la cloche va sonner et réveiller des gardes. Et mon but, ça va être justement d'éviter de les réveiller. Donc, on va avancer tranquillou. On y va en ligne droite là. On gagne du temps. On connaît un peu plus la map. On connaît un peu plus ce lieu. Donc, autant en profiter. Voilà, on se dépêche. Brouille-toi. Toi, on est bon. Tu vas venir là. Toi, on t'éclate. Boum. On vient ici. On va venir là. Et on va la tunasse. Là, on peut pas venir parce qu'on est d'accord qu'il y a des... il y a une source. C'est foutu. Enfin, il y a une source. En tout cas, il y a une... La porte est ouverte. C'est cool. On va pouvoir venir ici. Il y a des pics, on le sait. Normalement, la porte est ouverte. Donc, j'irai bien par là, peut-être. On va faire le tour de ce côté-ci. Voilà, voilà, voilà. Et tu remontes et on pique la thune. Tu piques la thunasse, dépêche-toi. Qui? Ah! Je savais pas que t'étais déjà là. T'es seulement là pour l'argent, hein. J'ai juste besoin des papiers et je m'en vais. Pas besoin de se battre. Ok, donc il a pris les paplards, on va juste prendre la monnaie. Et ça nous suffit très bien. Tac, tac. On a pris la gemme, il est maintenant temps de s'en aller. Alors, je veux bien m'en aller. Maintenant, si tu peux me faire un petit peu plus de thunas, je vais pas cracher dessus, on va pas se mentir. Viens là, viens là. Est-ce que je peux t'assommer? Ah, encore un tour de moi. Ah, ça fout mal. Ok, tant pis. Il faudrait que je puisse redescendre, mais... Il y a de la thune à prendre en bas, là. On essaye ou pas? On va tenter de prendre la thune. Oh, merde. Ça la fout très très mal, cette histoire. Ok, on reste planqué ici. Voilà. Allez, est-ce qu'on peut prendre la thune? Là, il y a l'air d'avoir des pas. Je prends de la thune et le reste, ça pue la merde. Ok, bon, on va revenir ici se cacher. Ah, ils sont à mes trousses. Ils sont à mes trousses. Qu'est-ce que je fais? Je reste ou je m'en vais? En vrai, je pourrais rester... Le problème, c'est que les gardes vont commencer à s'inquiéter, enfin à s'inquiéter, à se réveiller petit à petit. Bon, vas-y, va-t'en. Est-ce que tu peux venir au moins là? Ok, et on va venir se planquer ici. Voilà, go. Je compte vraiment sur toi pour être un peu teubé. Si je viens là, peut-être. Il va m'attraper. Je vais venir là, peut-être. Vas-y, go, avance. Et là, tu ne me vois pas. Ah ouais, mais le problème, c'est que lui, il va remonter. Donc, l'argent, je pourrais pas récupérer. La 10 gold. Est-ce que vraiment, je vais prendre le risque pour 10 gold? Je suis déjà à 130 gold. Donc, concrètement, j'aurais réussi mon objectif, c'est ça? À moins que ce soit la totalité. Merde. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah, je sais pas, là. J'attends, je m'en vais. Je fais quoi? Est-ce que là, il va remonter par là? L'autre garde également. On va attendre un peu, vas-y. Je vais quand même tenter de récupérer de la thune. J'aime trop l'argent. Oh non, il s'est barré.
Est-ce que je peux juste te voler un peu d'argent, s'il te plaît? On va se mettre là, direct. Oh non, 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 il m'a vu. Par contre, je peux disparaître de ce côté-ci. Oh non, putain, je me dis pas que j'étais trop gourmand. Attends, peut-être pas, je peux peut-être l'assommer. Impossible quand on est vu. On va prendre de la thune, je vais t'assommer. Boum! Comme ça, tu viendras plus emmerder. Ok, donc là, ça passe quand même pas mal. Oh, 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 oh. Attends, si, je vais peut-être pouvoir m'en aller comme ça. Oh, c'est chaud de ouf. C'est pas évident du tout. Vas-y, go. Allez. S'il te plaît, faut qu'on s'en aille, là. Vas-y, mon pote. Faut que tu t'en ailles, là. Cours. Sauve ta vie. Run. Run for your life. Ok, on a gagné. Eh bah, franchement, c'est pas mal du tout. J'ai bien aimé ce level. C'était danger niveau 4. J'ai pas trouvé secret et j'ai chopé que un peu plus de la moitié des golds présents, mais tant pis. J'aime bien ce level. Franchement, très très cool. Donc, il y a un playtest que vous pouvez essayer sur Steam de façon entièrement gratuite. Hein. Vous tapez le nom du jeu, vous cliquez sur Join the Playtest, faut en tout cas essayer et normalement, automatiquement, vous avez l'accès, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai découvert le jeu encore une fois avec Game Round, donc je vous encourage à tester Game Round de votre côté. Je mettrai un lien dans la description. Vous allez voir, c'est marqué un Day Sign Up, c'est juste pour... plutôt je dirais pour vous inscrire, voilà, en disant que ça vient de moi, c'est un lien d'affiliation, je gagne pas d'argent par contre, préfère vous le dire, il n'y a pas de monnaie là-dessous, c'est juste que voilà, j'aime bien Game Around, j'aime bien leur jeu, et je trouve ça marrant de me dire, voilà, de me dire que je peux quand même, voilà, amener du monde sur une plateforme, c'est bien pour ma chaîne, si, et ce truc qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est pareil, c'est pour vous, si jamais vous souhaitez vous inscrire. Vous pouvez aussi avoir un lien d'affiliation pour envoyer à vos potes. Ce lien permet de gagner des G-Points, donc ce sont des points, d'accord? Et plus vous avez d'abonnés, plus vous gagnez des points. Avec ces points, vous pouvez acheter des claviers, des souris, des manettes, enfin bref, il y a plein de choses. Forcément, hein, faut pas mal de points pour avoir des choses, on va pas se mentir. C'est pour ça que voilà, pour un youtubeur, je pense que c'est pas mal. Donc ça vous permet de me soutenir de manière totalement gratuite sans débourser le moindre centime, tout en vous faisant plaisir en testant des jeux. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Je mettrai le lien dans la description, merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.